Bonsoir à vous toutes et à tous, à ma présentation de la culture romanche. Mon nom est Joanna. Adios alegre de vous accueillir à vous de vous accueillir à une intéressante de la romanche. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas continuer en romanche. <laughs> um, mais j'ai dit bonsoir parce que chez nous il fait déjà noir, vous pouvez peut-être le voir. Um, dans la caméra, euh, une chose qui est très intéressante, c'est que en romanche, on dit déjà bonasera, donc bonsoir, à partir de midi. Ça peut paraître bizarre, mais à, à partir de midi, on commence à dire bonsoir, bonasera, bonasera. Bona sera. Voilà, je vais partager mon écran. Alors, ici, vous pouvez déjà voir des différentes manières de dire bonjour en romanche. Par exemple, «bundi», «bunde», bien «bienji», «bundi», «allegra». Ou bien «salut», c'est «ciao», «ciao» dans une autre façon d'écrire, Buonasera, buonasera, et un peu plus familier, Weyla. On va en parler plus tard. Il y a des différentes variétés, différentes variétés en Romanche et on verra ça plus tard. Tout d'abord, j'aimerais me présenter brièvement. J'ai grandi à Vrind. Un petit village de montagne situé dans la Val la vallée de la lumière, à 1450 mètres d'altitude. Vous voyez ce petit village ici sur cette slide. Moi, j'ai fait un bachelor en communication multilingue à l'Université de Genève et ensuite un master en sociolinguistique à l'Université de Berne. Et depuis 2017, je travaille à la chancellerie fédérale comme traductrice et terminologue pour le Romanche. Et de temps en temps, je donne des cours sur la langue et la culture romanche pour la Lia Romancha. Pour commencer le cours d'aujourd'hui, nous allons écouter une chanson romanche. Elle s'appelle UNIX de Pascal Gamboni.

C'était la chanson Unix de Pascal Gamboni. Dans le refrain, il dit Nous essen Unix et ça veut dire Nous sommes uniques. Maintenant, euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais d'abord raconter un peu euh, l'histoire des origines de la langue romanche ensuite parler du territoire linguistique, de la diversité dialectale à l'intérieur du romanche de l'identité, bien sûr du recul du romanche, de la diaspora, c'est-à-dire euh, de de, des personnes qui, qui ne n'habitent pas dans le territoire traditionnel, de la diglossie. Ensuite, on va voir un peu ce que c'est romanche grijount, c'est la langue standard. On va parler du statut juridique du Romanche sur le niveau national, cantonal et communal. Ensuite, je vais vous présenter un peu les médias qu'on a dans la romanchia et parler un peu de la lia romancha. Ce, cette image que vous voyez, c'est la plaine de la Graina. C'est très près d'où j'ai grandi. Alors... Ce graphique montre que le romanche a les mêmes racines linguistiques que l'italien, le français et l'espagnol, notamment le latin. À partir du latin, une série de langues romanes plus ou moins standardisées se sont progressivement développées par des déplacements et des substitutions phonétiques, morphologiques et syntaxiques. Le terme reto-romanche, en allemand, a essentiellement deux significations. D'une part, dans l'usage général en Suisse, il sert à désigner la langue parlée dans le canton des Grisons à côté de l'allemand et de l'italien. D'autre part, le terme est également utilisé dans le monde académique pour désigner un type de langue romane qui, outre le romanche parlé dans les Grisons, comprend également le ladin dolomitant. Et le frioulant. vous voyez ça ici. Je vais l'expliquer encore une fois ici sur cette carte. Donc, dans l'usage courant, le terme rétoromanche se réfère au roumanche parlé dans les Grisons. Donc ici, vous voyez cette partie au sud-ouest de la Suisse, le canton des Grisons, et ça c'est la partie où on parle romanche. Et le terme est aussi utilisé collectivement dans les, milieux, dans les milieux académiques pour la langue parlée dans les Grisons et le Ladin Dolomiton ici, qui est parlé dans les provinces italiennes de Bolzano, Trente et Belluno, et le Friulon dans le nord-est de l'Italie. Avant l'arrivée des Romains en 15 avant Jésus-Christ, la région de ce qui est aujourd'hui le canton des Grisons était peuplée de Celtes et de Rètes. Le latin populaire des Romains s'est mélangé avec les langues locales pour former une sorte de latin vulgaire rhétique qui s'est transformé en Romanche par des changements phonétiques et qui s'est ensuite divisé en différents dialectes régionaux. Nous reviendrons sur les dialectes que nous appelons idiomes. L'invasion des tribus germaniques au 5 siècle a marqué le début d'un processus continu de germanisation. La germanisation s'est d'abord déroulée lentement. De nombreux groupes d'Allemands se sont installés dans le territoire romanche. Au XIIIe et XIVe siècle, les Walsers, les Walzer en allemand, germanophones originaires du Haut-Valais, se sont installés dans plusieurs vallées des Grisons. Après un grand incendie au XVe siècle, Poire, la capitale, a été germanisée. Les Romanches ont perdu leur centre linguistique et culturel. Le processus de germanisation se poursuit encore. Aujourd'hui. Et nous reviendrons plus tard sur l'ampleur de ce processus. Voici, vous voyez une carte des différentes régions linguistiques en Suisse. Ici, on a la Romandie, la partie francophone. Au milieu, dans la Suisse centrale, la partie germanophone, la langue dominante en Suisse. Voici, c'est le canton des, du Tessin. Et quelques vallées du canton des Grisons italophones, où on parle l'italien. Et ça, en vert, c'est la partie romanchophone. Donc, ça, ce sont les vallées où on parle romanche. Le romanche présente une très grande diversité dialectale et se compose de cinq idiomes régionaux écrits. Sur Sylvane, c'est l'idiome que je parle moi aussi. Sotsylvan, Surmiran, Puter et Valade. En romanche, ces dialectes régionaux sont appelés idiomes parce qu'ils sont codifiés, parce qu'ils sont tous écrits. Ils ont une propre grammaire, une propre orthographe et des, euh, des, du matériel pour les écoles. C'est-à-dire, nous allons à l'école dans notre idiome régional. Ces cinq idiomes présentent des différences linguistiques considérables sur le plan phonétique, grammatical et lexical, ce qui rend plutôt difficile la compréhension entre locuteurs et locutrices de différentes régions. Lorsque deux personnes de dialectes différents se rencontrent, elles utilisent souvent l'allemand au lieu de leur propre dialecte. Je vous donne un exemple. L'année passée, je suis allée sur un camping en bas Angadine avec ma soeur. Sur ce camping, juste à côté de nous, il y avait deux messieurs de cette vallée qui avaient une place stable. Et une fois, quand je suis revenue de la salle de bain, je vois que ma soeur parle en suisse allemand avec ce monsieur à côté de nous. J'étais consternée, perturbée, et j'ai dit, mais pourquoi vous parlez le allemand et tout ça en romanche, bien sûr. Et le monsieur, il m'a répondu, ah, c'est beaucoup plus facile parce que de toute façon, je ne comprends pas votre dialecte. Et moi, j'ai insisté euh, de parler le romanche. Malgré ces différences linguistiques... Je pense qu'il est tout à fait possible de se comprendre. Il faut juste être prêt à faire un effort. Mais je dois aussi admettre que comprendre une personne qui parle un autre idiome peut être plus difficile pour d'autres personnes que pour moi. Parce que moi, j je, suis, je suis allée au gymnase à Coire. Donc, j'ai fait mon lycée à Coire et j'ai passé quatre ans dans une classe avec des gens qui parlent d'autres idiomes. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la possibilité de pratiquer pendant quatre ans et de m'habituer à, à des gens qui ne parlent pas le même idiome que moi. Et quand on compare avec une personne qui reste dans la vallée, qui fait un apprentissage, qui ne sort pas de la vallée, cette personne là elle va avoir beaucoup plus de mal de comprendre une personne qui parle un autre idiome donc comme j'ai déjà mentionné le terme idiome désigne une variété régionale qui est également codifiée en tant que langue écrite c'est-à-dire propre grammaire et propre orthographe et c'est un fait que je rappelle toujours quand on compare la situation du romanche à celle du suisse allemand, et je le répète volontiers ici ce n'est pas du tout la même chose parce que les dialectes suisse-alémaniques ne sont pas codifiés, ils n'ont pas de propre grammaire, ils n'ont pas de dictionnaire, il n'y a pas une norme écrite, ce qui est le cas pour le romanche. À l'intérieur de ces cinq idiomes, il existe de nombreux dialectes locaux. En d'autres termes, chaque vallée, voire chaque village, possède des caractéristiques lexicales et phonétiques qui diffèrent de celles de la vallée ou du village voisin. Je vous donne un exemple. À Vrin, où j'ai grandi, et seulement à Vrin, on dit l'idionja pour saucisse. Mais dans tous les autres villages de la vallée, on dit Lidjondja. Donc, Lidjondja versus Lidjondja. Ça, c'est une différence au niveau phonétique. Je vais vous donner un autre exemple au niveau lexical. À Vrin et à Lumbrain, c'est le village à côté, on dit Ridja pour pleurer. Mais dans le reste de la Surselva, on dit Bardji. Donc, Ridja versus Bardji deux mots différents à l'intérieur d'un seul idiome. Voici, vous voyez une carte des grisons. Là, c'est la Suisse et ça, c'est un, un zoom de la partie au sud-ouest, sud-est. Euh, et ici, on ne peut pas voir très bien, mais on voit où les différents idiomes sont parlés. Donc ici, dans la surselva, le sursilvan. Ici, le sour-sylvan, Ensuite, au milieu, le surmiran. Ça, c'est la partie où on parle poutère. Peut-être que vous avez déjà visité ou entendu de Saint-Moritz. C'est là-bas. Et ici, le Basangadin, le Valader. Pour revenir à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, donc nous on a grandi en Surselva ici et ces gens qui étaient à côté de nous sur le camping étaient ici. Donc les régions sont très éloignées l'une de l'autre. Et une raison pour, la, pour laquelle ces idiomes sont tellement différents, c'est le fait qu'il y a des montagnes très très hautes entre les vallées. Euh, donc, il y a des raisons géographiques aussi pour cette euh, diversité et ces différences considérables entre les idiomes. Alors, maintenant, je vais vous donner un exemple pour cette diversité dialectale. À l'intérieur du romanche, on a cinq différents mots pour patate, pour pomme de terre. Truffel, Tiffel, Hardeffel, Hardeffel et Mailinter. Et en romanche jaune la langue standard, on a encore un autre mot, Tartuffel, c'est-à-dire on a six différents mots pour un seul concept. Maintenant, nous allons écouter des extraits d'un conte de fées dans les différents idiomes. Cela vous permettra d'entendre à quel point les idiomes romanches sont différents. Et peut-être que vous allez comprendre un peu le contexte. On verra. Alors, je vérifie. Le premier, c'est le sursylvan. Uh -huh. Alors maintenant vous allez entendre le Sour Silvan. Luer der Buspenagada vomntada, kwaila viu sin impeñ in chapper ketenev intok, kajilenci ubek. Koi gustaz mia ila tchauda klamaul chapper. Chebik ketias, s'tiu kand de sibialts skotie cumpars, lo estiel pbuci de, est es, si de, de tots. Le prochain c'est Soutsilvan. Silvan. Le golber puspe in ner de fumantada, qua a ela vies in impegno corf ke tene vintok, jiela ise spekel. Coi gustazama a da corf ci bealcata es, si tesciande e beal scolati pereta, plebealuci de tots. Le prochain c'est Sourmiran. La gulp era push pe eneda famantada, ko o ella via senempejn en korf čitiniva in tok kajil anzi spekel. Kej jam gustes o ella panco, edo klamo al korf, če bel, če te isht, šiltis kant eši bel, škutija parenča, allora isht te ile pi bel ucel da tots. Maintenant, on va écouter le poter. Oups La volpe di eredarci una volta fomentida, quando la visto in un pin, in un carf, ci ne aveva un touch di in sia piccolo. Qui m'è gustesa la pensò, ed acclamò al carf, che belle che tu esci. Se ti è in su apparencia, allora es tu il più belle uccide tutti. Baladar La volpe di eredarci una quala vis un un pin un corf, cit neva un toc ce se spiccal. am gustes, ala pensa, ed acclama corf. Ce bel ce tu es, sa o se bel sco di apparencia, lur es E pour finir, Romange Grigion, la langue standard. La volpe era buspeneggiata fomentata, qua hai la visina in pin in korf che teneva in tocciagielo in se spicol. Qua i magustas, hai la panza, ed acclama al corfo. C'è bel che ti esce, che ti esciant e usci bel parita, lura esti il pli bel ucce da La communauté romanche se caractérise par un fort attachement sentimental à la langue écrite régionale ou par une loyauté linguistique à petite échelle. Surtout en Surselva et en angadine. Le romaniste Christol parle à ce propos d'un patriotisme linguistique local qui s'avère très difficile à surmonter. Entre les romanches des Grisons, il ne s'est jamais formé une identité romanche, une conscience unificatrice et marquante. Mais des études plus récentes montrent des résultats différents. J'ai aussi parlé de cette question d'identité avec mes étudiants à l'université et avec plusieurs amis. Tout selon la perspective et tout selon l'individu, il existe un sentiment d'identité collective. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et. Euh, je m'identifie comme romanche, tout à fait, mais aussi comme lumnetiana, c'est-à-dire comme une personne d'une vallée à l'intérieur de la Surselva. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons cette loyauté euh, très très, ce, ce, ce très fort attachement. Sentimentale à une certaine région ou même à un village. Mais il y a aussi des individus qui se sentent vraiment comme romanches et qui s'identifient avec le romanche. Moi aussi. Un sujet qui préoccupe une grande partie des romanchophones est le re recul constant de la langue. Au cours des 50 à 100 dernières années, le nombre de personnes parlant, parlant le romanche dans le canton des Grisons a considérablement diminué. Les changements démographiques et économiques, la mobilité, c'est-à-dire l'immigration de personnes d'autres langues et l'émigration des romanchophones, ainsi que la domination de l'allemand font que le nombre de romanchophones ne cesse pas de diminuer. Voici une carte du territoire romanche traditionnel où les différentes régions étaient encore reliées entre elles. L'espace romanche était une seule et même entité. En 1860, la situation se présentait ainsi, c'est-à-dire avec des régions plus germanisées et moins germanisées. Vous pouvez voir ici par exemple dans la sous selva et aussi dans la base angadine, euh, des communes qui ont des. Qui ont plus ou moins entre 75 et 100 de la population qui parle le romanche ou qui considère le romanche comme euh, la langue maternelle. Ici, dans la Haute-Angadine, par exemple, et ici euh, dans les Grisons-Centrales, euh, on voit qu'il y a entre 50 et 75 de locuteurs et de locutrices romanchophones euh, dans les communes. Cette carte montre la situation dans les années 2000. Une grande partie de la Haute-Angadine, ici, est germanisée. Et aussi dans le Sourmeir et la Soutselva. Dans la Surselva et en Basse-Angadine, par contre, la majorité des communes ont un pourcentage plus élevé de romanchophones. Donc là, on parle de 50 à 100 de romanchophones dans les communes. Et ici, plutôt entre 10 et 50. Donc, vous voyez, euh, les régions périphériques sont les régions plus romanches. Et ici, au milieu, on voit cette tendance de germanisation. Cette graphique le montre encore une fois, euh, dans cette région de la sous selva il y a plus ou moins 55% de romanchophones. Ici, en basse -en Angadine, encore plus, 79%. Et ici, dans la Saut-Selva, dans le Surmeir et en haute Angadine, on a entre 15 et 44% de romanchophones. Ici, vous pouvez voir quelles sont les communes bilingues ou monolingues. Les communes en bleu sont des communes monolingues allemandes. En orange, les communes monolingues romanches. En vert, les communes monolingues italiennes. Et ici, en orange plus clair, beige plutôt. Ce sont les communes bilingues allemand romanche. En Suisse, les communes peuvent choisir leur langue officielle et langue d'école. Donc à cause de la germanisation, il y a beaucoup de communes qui sont bilingues romanche allemand. mais ce que je voulais dire ici même si certaines parties du territoire romanche ont été germanisées le romanche fait toujours partie intégrante de la vie quotidienne il est enseigné à l'école parlé au travail dans la famille dans les magasins etc il est également utilisé dans la littérature dans les pièces de théâtre à l'université et dans les sciences en plus il y a une très très grande diversité de coutumes et de traditions dans le territoire romanche, comme par exemple Traer euh, Shibetes ou bien Chalanda Martz. Cette graphique montre la répartition de la population résidente qui déclare le romanche comme langue maternelle jusqu'à 1980 ou comme langue qu'elle connaît le mieux de 1990 jusqu'en 2000. Donc, jusqu'en 1980, on demandait aux habitants leur langue maternelle. Et de 1990 à 2000, on leur a demandé la langue qu'ils connaissaient le mieux. Et c'est la raison pour laquelle on peut constater une baisse drastique ici, entre 1980 et 1990, parce que la question a changé. Donc, Jusqu'à ici, les personnes interrogées indiquaient la langue maternelle et ici, la langue qu'ils connaissent le mieux. Ça montre que la maîtrise du romanche est souvent moins bonne que celle de l'allemand ou d'autres langues. Ces gens-là ne considèrent pas le romanche comme la langue qu'ils connaissent le mieux, même s'il agit de leur langue maternelle. C'est vraiment cette tendance que nous voyons. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir dans ce graphique aussi, c'est le fait que de plus en plus de personnes vivent dans la diaspora romanche et le nombre de personnes vivant dans le territoire traditionnel romanche diminue. Ça, c'est, ce sont les personnes qui habitent dans le territoire traditionnel, en vert. Et là, on voit très bien cette tendance, euh, cette baisse. De, 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 du nombre des personnes qui habitent vraiment dans ce territoire traditionnel. Euh, en jaune, vous voyez les personnes qui, qui habitent dans les Grisons, mais pas dans le territoire en Manche. Et en orange, les personnes qui habitent ailleurs en Suisse. Et ici, on voit très, très bien que beaucoup, beaucoup de personnes quittent le territoire romanche et vont habiter dans une autre partie de la Suisse. En fait, deux tiers des romanchophones habitent hors du territoire traditionnel. Donc, juste un tiers vit dans cette partie traditionnelle. Que signifie le terme diglossie La diglossie est définie comme une situation dans laquelle deux langues ou deux variétés de la même langue sont utilisées dans des conditions différentes au sein d'une communauté, souvent par les mêmes locuteurs. Le terme s'applique généralement aux langues comportant des variétés hautes, c'est-à-dire prestigieuses, et basses, c'est-à-dire familières. Chaque variété est utilisée pour des fonctions bien distinctes. Il s'agit généralement de variétés d'une même langue. Un exemple bien connu est celui de la Suisse alémanique, où le dialecte est principal, principalement utilisé pour la communication informelle et orale et la langue standard dans les situations formelles et écrites. Examinons maintenant de plus près la situation dans la Romanchia, la Suisse-Romanche. La vie quotidienne de la population romanche est marquée par une très forte présence de l'allemand. Le fait central de la situation sociolinguistique du romanche dans les Grisons est le bilinguisme romanche-allemand, largement répandu. Mais en réalité, la situation linguistique est bien plus complexe. Les romanches sont confrontées à une diglossie particulière. Contrairement au niveau oral, la langue écrite généralement utilisée par les romanches est l'allemand standard. L'allemand domine surtout dans le domaine formel écrit. Cette utilisation de variétés de langues non apparentées est appelée outglossia. Mais il existe aussi une situation de diglossie à l'intérieur du romanche, puisque les romanches doivent utiliser la norme écrite régionale à l'école et pour les questions formelles, tandis que les variétés locales sont utilisées dans les situations informelles. Cette diglossie intra-romanche est appelée inglossia. Comme les romanches participent outre à la diglossie... Typiques de la Suisse alémanique, ils sont confrontés à une double diglossie. Le romanche Grijou, la langue standard, introduite en 1982, ajoute une nouvelle variété à la situation linguistique déjà assez compliquée. Afin de lutter contre le manque d'uniformité à l'intérieur du romanche, Plusieurs tentatives ont été faites pour mettre en place une langue écrite commune. Face au recul alarmant du romanche, Heinrich Schmidt, professeur de romanistique à l'Université de Genève, à, de Zurich, pardon, a conçu en 1982, sur mandat de la Lia Romancha, le romanche grisoun, la langue standard supra le roman Sgrisun a été créé sur la base des trois idiomes les plus parlés, le Valade, le Surmiran et le Sursilvan. Schmidt a toujours cherché les plus grands points communs entre les trois dialectes, c'est-à-dire les particularités phonétiques et grammaticales régionales ou locales n'ont pas été prises en compte. Par exemple, il n'y a pas de son e et dans le roman de parce qu'ils ne sont communs qu'en Angadine. De nombreuses caractéristiques du sourcilvan sont également absentes, comme par exemple les diphtongues. Je vous explique tout ça ici. Alors, pour le mot paix, page, par exemple, on a page, page, page. Donc, trois fois page dans les idiomes les plus principaux et ça veut dire que pour le Roman juin, on a choisi page aussi, clair. Maintenant, par exemple, simple, 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 simple. Donc deux fois simple, une fois simple, c'est clair. Pour le Roman juin, on va prendre simple. Mais il y a aussi des exemples où on n'a pas trouvé un consensus considérons ces trois idiomes ou prenons en compte ces trois idiomes. par exemple, oui, jai, et a, chi. donc trois mots différents. et c'est ici que schmid a pris le mot sutilvan donc un mot d'un autre idiome comme compromis pour le rumansch gijon. jai. un autre exemple, c'est moi, y i'a et où. Donc, là aussi, on a trois mots différents pour un concept. Et ce qu'il a fait ici, monsieur Schmid, c'est qu'il a pris le yawer, ce qui est un di dialecte régional du Valadr, donc un dialecte local, pour le compromis. Donc, en romanche qui on dit yawer. Très tôt, la Lia Roumanche a pris contact avec les autorités fédérales et cantonales pour les encourager d'utiliser le roumanche jaune. Au niveau fédéral, cette langue écrite standard a fait ses preuves et s'est imposée dès 1986 comme langue officielle de l'administration et des tribunaux, ainsi que comme langue de communication avec la population et les institutions romanches. En 1996, le gouvernement des Grisons a également décidé d'introduire la langue écrite nouvellement créée comme langue officielle du canton. Les différentes régions et communes sont libres d'utiliser le Romanjkijun ou l'un des idiomes locaux, mais les idiomes ont tendance à dominer. Le 19 février 1996, 1938, le romanche a été reconnu comme quatrième langue nationale de la Suisse. Contrairement aux, langues, aux autres langues nationales, le romanche n'a qu'un statut semi-officiel. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le romanche est une langue officielle que pour les rapports entre la Confédération et les personnes de langue romanche. C'est ce que stipule la linéa 1 de l'article 70 de la Constitution fédérale. Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Les personnes de langue romanche ont donc le droit de s'adresser aux autorités fédérales en romanche ou dans l'un des idiomes. et les autorités répondent en romanche donc, nous on a le droit de s'adresser aux autorités en romanche et on reçoit une réponse en romanche. alors, au niveau cantonal, euh, le romanche a un statut officiel. Donc, l'allemand, le romanche et l'italien sont des langues officielles équivalentes. C'est l'article 3 de la Constitution cantonale des Grisons qui stipule euh, tout ça. Le canton et les communes prennent aussi les mesures, les mesures nécessaires au maintien et à la promotion du romanche et de l'italien. Les communes déterminent leur langue officielle et scolaire cela en accord avec le canton. Et les communes respectent la composition linguistique traditionnelle et tiennent compte des minorités linguistiques. Donc ici, en cette loi, on voit aussi cette, cet aspect de territorialité, le principe de territorialité qui est inscrit euh, dans la Constitution. Pour résumer, le romanche a un statut semi-officiel au niveau national, mais dans le canton des Grisons, le romanche est une langue officielle et a le même statut juridique que l'allemand et l'italien. Les trois langues sont considérées comme équivalentes, comme égales. La Fondation Medias Romanches fournit aux médias romanches des contenus journalistiques. Elle rédige des articles dans les cinq idiomes et en romanche jaune. La Quotidiana est le journal quotidien pour tout le territoire romanche. La Quotidiana utilise le romanche jaune pour les articles qui concernent l'ensemble de la romanchia et pour les nouvelles régionales, le journal. Les, les actualités régionales, le journal utilise les différents idiomes. On verra tout ça après. Je vais vous montrer comment ça se présente. La page da Surmeir est le seul journal régional-romanche qui n'a pas été intégré à la quotidiana. Il paraît une fois par semaine et traite principalement de la partie centrale des grisons. Depuis 1996, L'engadiner Post paraît trois fois par semaine sous le titre Posta Ladina avec au moins deux pages en romanche. Nous avons aussi une station de radio et télé, Radio Télévision Juifra Romancha. Je vais vous montrer le site Internet euh, après. Euh, et on a aussi un petit téléjournal qui s'appelle Téléjuart. Le pledari gron c'est le dictionnaire en ligne. C'est un dictionnaire pour la langue standard, mais aussi pour les différents idiomes. Euh, je vais vous montrer ça après et donner quelques informations um, supplémentaires quand on voit ça en ligne. Nous avons aussi un journal scientifique qui s'appelle Analysis de la Società de euh, Donc, ça aussi pour vous montrer notre langue um, est vivante, on l'utilise um, même dans, dans des articles scientifiques. Je vais vous montrer ça en ligne. Alors, d'abord, je vais vous montrer le journal. Juste que je vérifie que vous voyez. Oui. Alors, ça, par exemple, c'est la première page de La Quotidiana. Et vous voyez déjà sur la première page que le journal est écrit dans des différents idiomes. Donc, pour toutes les actualités qui concernent tout le monde, c'est-à-dire toute la romanchia, sont rédigées en romanche bijou. Et puis, tout ce qui est. Régional, par exemple, sur Selva, ça c'est écrit en sur Ensuite, en euh, ça c'est écrit soit en puter, soit en Valader. Donc voilà. Et puis ici, euh, on, on a de, de nouveau le sur Et puis ça, c'est en romanche Voilà. Je vais vous montrer aussi. Euh, voilà. vous montrer le site de de la radio télévision romanche donc ici vous voyez euh, les actualités euh, ensuite toutes les actualités régionales aussi euh, des différentes rubriques culture sport archives etc maintenant il faut euh, je change de table mais ça c'est un je vais... hmm. Je vais peut-être devoir. Ok, je vais faire comme ça. Voilà, ça, c'est le plaidari Grand, le dictionnaire. Ici, on est dans l'onglet romanche joue On peut chercher. Kint, um, Ufant, etc. On a le, la même chose pour le Surmiran et le Soutsilvan. Ils sont intégrés sur ce site. Um, le but, c'est d'intégrer tous les dictionnaires des différents idiomes. Um, le Soutsilvan, c'est en encore en work in progress. Ce n'est pas encore um, intégré. Et Valadre et Puter non plus, mais ça va être le cas dans l'avenir. Je reviens. Et voilà. Encore quelques mots sur la Lia Romancha. La Lia Romanche a été fondée en 1919. C'est l'organisation fêtière de toutes les associations romanches. Elle s'engage pour promouvoir, promouvoir et maintenir la langue et la culture romanche. Et cela en utilisant des fonds fédéraux et cantonaux. Le but c'est de soutenir les organisations qui s'engagent en faveur de la langue et de la culture romanche, de donner des conseils sur des questions relatives à la langue et à la culture romanche, et bien sûr de promouvoir aussi l'utilisation du romanche dans tous les domaines de la vie politique et sociale. La romanche est neutre sur le plan confessionnelle et politique et voit, se voit um, comme une organisation du service public. merci beaucoup. grazie 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 <laughs> Ici, vous voyez encore une fois euh, cette diversité dialectale à l'intérieur du romanche. J'espère que vous avez appris quelque chose. Euh, maintenant, nous avons le temps pour les questions. Euh, je vais activer ma caméra. Comme ça, j'ai déjà vu qu'il y a des questions dans le chat. Je vais l'ouvrir. Comme ça, je peux répondre aux questions. Si vous voulez poser une question avec le micro, allez-y. On peut peut-être euh, faire comme ça qu'on qu on lève la main. Il y a une fonctionnalité où on peut lever la main. Comme ça, je peux, ouais, je peux euh, voir mieux où il y a des questions. Alors, je vais d'abord regarder dans le chat, mais la grammaire est la même ou aussi différente entre les idiomes. Oui, la grammaire est différente. Euh, je me rappelle, au lycée, on a dû apprendre la langue standard, le rouman grijoune, et on a dû apprendre bah, des choses sur le plan lexical, mais aussi toute une nouvelle grammaire. Je peux vous donner un exemple euh, qui est lié au français aussi. Parce qu'en sursylvane, nous n'avons pas la négation double. Ça n'existe pas. Mais en roumange gris jaune, on a la négation double. Donc, ça, c'est une différence sur le niveau grammatical. Et ça diffère, euh, oui, du, de, de mon idiome. On n'utilise pas la, la négation, euh, la double négation. Donc, oui, aussi une différente grammaire. Ensuite. Pourquoi alors, si les gens se rencontrent d'une différente idiome, ne se parlent pas le rouman standard au lieu de suisse allemand Très bonne question. Alors, le roumain grijoune n'est pas vraiment une langue parlée, c'est une langue écrite. On l'utilise seulement pour les documents officiels, euh, dans le journal, comme je l'ai mentionné, pour les, les, les actualités qui concernent tout le monde. Um, on l'utilise par exemple à la radio pour les, pour les actualités, um, mais c'est une langue qui n'est pas identitaire pour quelqu'un. On ne on, on la parle pas. Il y a Oui, il y a presque personne qui, qui la parle. Il y a quelques gens qui l'apprennent quand, oui, quand ils, ils apprennent le romanche, mais ce n'est pas une langue parlée. Donc, ça ça serait extrêmement bizarre de switcher dans la langue standard. Et c'est un, un effort cognitif énorme de, de parler juste comme ça dans la langue standard. Il n'y a personne qui le fait. Et si on le fait, c'est en lisant un texte, par exemple. J'espère que oui, j'ai pu répondre à la question. Ensuite, Allegra, où est-ce que la langue est enseignée à l'école Alors, elle est enseignée dans, tout, dans le territoire linguistique euh, traditionnel le romanche, donc dans toutes les régions, euh, dans l'idiome respectif. Il y a aussi des écoles bilingues dans des communes bilingues, c'est-à-dire euh, des, des écoles bilingues romanches allemand Moi, par exemple j'ai fait le lycée bilingue c'est à dire j'ai fait mon gymnase en romanche allemand euh, il y a aussi des, euh, des offres en ligne de la lierroumancha pour euh, pour l'instruction à distance si quelqu'un est intéressé de euh, d'apprendre le romanche à distance euh, voilà mais euh, principalement dans la région romanche et dans les régions bilingues. Ensuite, est-ce que la variété utilisée est toujours indiquée dans les journaux? Non, 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 il n'y a pas d'indication, euh, mais on sait que bah, si on lit quelque chose du, qui concerne les personnes dans angadine, la haute c'est clair que ça va être en balade. Ou s'il si y a une actualité um, qui concerne la Surselva, c'est rédigé en Sursilvan. Si c'est quelque chose qui qui concerne le surmeir, c'est écrit en Surmiran. Et les gens qui sont un peu um, plus versés, qui, qui ont un peu un sentiment pour, pour les différents idiomes, ils peuvent euh, identifier quel idiome c'est. Et je ne sais pas si c'est d'importance pour quelqu'un de savoir quel idiome euh, il lise. Ensuite, quel est votre préféré, quel est votre mot préféré ou expression <laughs> dans votre dialecte? Um, c'est une très bonne question, il faut que je réfléchisse. Um, um, ben, moi j'aime bien Chita par exemple, c'est un papillon. Um, Chita. Ou bien j'aime bien aussi um, Tartaruga, c'est. C'est quoi en français? Um... Les animaux qui, qui, euh, qui marchent très lentement. C'est quoi déjà en français Vous pouvez écrire dans le chat. Une tortue, c'est ça Oui, ou une, une tortue, c'est ça. Et en romanche, dans mon dialecte, c'est tartaruga. Je trouve ça un très joli mot. Euh, ensuite, y a-t-il des cours romanches pour les francophones Oui. Alors, ah, c'est une bonne question. Alors, à la base du, du français, il faudrait que je demande à la Lieromancha euh, s'il y a des cours pour des gens de langue française. Il faut que je note ça. Je vais vérifier et puis, et puis euh, écrire un email à Sarah, comme ça. Oui, je peux répondre à cette question aussi. Ensuite, je vais sûrement aller faire un tour dans votre belle région en juin. Ouais, ça, ça me fait plaisir. <laughs> ça vaut la peine. L'époque pendant laquelle l'influence de la langue latine fusionnée au RET a donné naissance au Romange est-elle celle de l'invasion romaine de l'Europe? Oui. Quel est le pourcentage du RET comparé au latin qui est demeuré dans le RET romange? Pourquoi wow le pourcentage du RET comparé au latin? Ça, c'est une excellente question que je peux pas euh, répondre maintenant, mais je vais faire, euh, je, vais me, je vais noter ça. Je sais pas s'il y a des, oui, il doit y avoir des informations là-dessus. Pourcentage du. Rate. OK. Donc, je peux pas répondre maintenant, mais je peux vérifier. Um, et vous écrire un email. Est-ce que les romanches peuvent comprendre le lad Ladin dolomitane Vous avez des questions excellentes. Um, C'est difficile. C'est très difficile, mais si les gens parlent très lentement, gesticulent um, ou bien utilisent des, oui, des images ou des un contexte oui mais pas facilement pas facilement mais c'est possible oui euh, nous je peux vous donner un exemple on participe toujours à un championnat européen de foot des minorités nationales et euh, quand on parle avec les ladines euh, on les comprend donc nous on parle romanche et eux, ils parlent le ladine d'Olomitan et ça va. Parfois, il faut répéter et puis faire un effort, mais ça va. Ensuite, quelle est l'attitude générale des jeunes envers le romanche? Super question! Elle est très positive. Euh, la jeunesse romanche elle s'identifie fortement avec le romanche. Elle est fière de parler le romanche. Euh, elle est oui, l'attitude est très positive. Et ça, c'est lié aussi au fait que euh, l'attitude en général des gens en Suisse est très positive envers les romanches. C'est-à-dire, euh, quand on dit qu'on est romanche, les gens, ils, ils, ils sourient, ils veulent en savoir plus. Euh, les, oui, les, les gens autour de nous considèrent le romanche comme partie de la de, de l'ADN de la Suisse donc ça ça contribue bien sûr à notre sentiment à nous aussi euh, envers le romanche mais l'attitude est très positive de m'enlever avec des questions oui alors Dominique couture Pardon, j'ai le temps d'allumer mon micro. Euh, merci beaucoup. Euh, C'était très intéressant quand je suis le, le consulat général sur, euh, sur mon Facebook et quand ça m'a ça apparu, j'ai fait Oh oui, je m'inscris tout de suite. Parce que je suis je suis linguiste et je m'intéresse beaucoup aux langues euh, euh, aux, aux langues qui euh, comment je peux dire ça qui se. Qui sont pas très populaires <laughs> euh, ailleurs dans le monde, je veux dire, qui n'ont pas beaucoup de, 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 de. Comment je peux dire ça? Qui n'ont pas une, une très grande popularité. Désolé, je ne sais pas trop comment dire, mais euh, j'avais une question face, euh, face à tout ce qui a été dit, est, euh, euh, et notamment le, la question à propos des, des cours de romanche pour les francophones. Et, euh, moi, bon, ça, je m'intéresse à toutes les langues, hein. alors, euh, et, ben vu que je suis au Canada, euh, est-ce qu'il y a, moyen, et que je suis francophone également, euh, est-ce qu'il y a, qu y a moyen pour moi d'apprendre le roman, ou, à, ou du moins d'avoir une, une base, parce que vous aviez dit euh, euh, qu'il y avait de l'instruction à, à distance, et ensuite, ben vu que je j'ai je, 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 parce que je serais un locuteur euh, dont la. Ben, là, ça serait rendu à ma quatrième langue, là, mais dont, dont le roman ne serait pas ma langue maternelle. Donc, ou ben même ma deuxième langue. Donc, est-ce est que ça serait correct de parler en roman euh, avec les gens? Bon, j'imagine qu'ils vont savoir tout de suite que je ne suis pas leur dealer et tout ça mais est-ce que ça serait euh, possible qu'on euh, considérera que moi ben si je vais peut-être j'aurais peut-être plus accès à la langue standard merci mm -hmm. alors pour apprendre le romanche je recommande toujours d'apprendre un des idiomes euh, et, et pas le romanche jaune parce que c'est ce sont les idiomes avec lesquels les gens s'identifient et ça va être beaucoup plus facile d'avoir accès à la communauté en parlant un dialecte um, ou un idiome plutôt. Et je peux m'imaginer qu'il y a des, um, des cours ou même peut-être des... Um, des livres pour apprendre le, le romanche qui sont basés sur le romanche et pas basés sur l'allemand par exemple mais que sur le romanche c'est à dire ça ça serait une, une, um, um, une façon d'apprendre le romanche en tant que francophone si le si le, le livre pour apprendre le romanche est est quasiment basé sur leur manche sur leur manche et pas sur une langue spécifique oui et euh, c'est oui c'est possible de parler en romanche chijune et on on va comprendre c'est juste que ça ça peut paraître euh, c'est pas habituel pour nous de parler avec quelqu'un qui... oui, qui nous parle en romanche jaune. est-ce que ça répond à la question? oui, euh, très bien. merci. Puis, euh, moi, c'est Quand... moi. Ça me... si j'apprenais si le, le romanche jaune et que je... je parlais avec des, des gens... Euh dans le canton des Grisons. Moi, ça me dérangerait pas de me faire, faire de me faire voir comme un petit comique là parce que je, je parle <laughs> je, je le parle parce que ben c'est vrai que je m'imagine que vu que c'est une langue plus standard, ben et que je, moi je, je suis très loin de la Suisse quand même, alors euh, euh, j'imagine que c'est simplement le standard qui va, va m'être plus accessible. Euh, en tant qu'apprenant euh, d'une langue, mais c est, c est, ça ne me dérangerait pas de faire une, un petit peu de diglossie justement, puis d'aller vers, euh, euh, vers un idiome qui est euh, l'un des idiomes les plus utilisés, et après ça, le roman des de pour euh, essayer de, le, de les marier ensemble euh, selon mes besoins. Euh, je vais devoir quitter, mais merci beaucoup. Euh, J'ai trouvé ça très, très intéressant. Merci aussi. Ensuite, on a euh, Ortho Enfance, CDN. Euh, je m'excuse, c'est de mon travail. Je suis Nicole. Euh, donc Salut, Nicole. Je suis, euh, suis Suisse-Allemande. Euh, je, je voudrais savoir, euh, donc, j'ai 46 ans, donc peut-être il a changé maintenant en Suisse, mais... Euh, quand j'étais petite je n'ai jamais jamais euh, entendu une présentation euh, d'une chore comme vous avez euh, très très bien fait aujourd'hui aujourd'hui donc euh, il me semble un peu dommage euh, que que on n'a pas la, le savoir euh, de ça euh, dans peut-être pas pas dans les premières années de des de primaires parce que peut-être ce n'est pas assez euh, les enfants enfants sont pas assez euh, intéressés mais peut-être après il serait très très chouette euh, d'avoir euh, les informations et euh, une présentation comme ça très très bien détaillée euh, présentée je suis tout à fait d'accord avec vous <laughs> Je trouve aussi dommage qu'il euh, qu n'y a pas des cours de culture romanche et d'initiation à la langue romanche dans les autres parties de la Suisse. Vraiment, c'est quelque chose qui manque. Je suis d'accord. Euh, je trouve ça extrêmement euh, important de oui d'enseigner de, ça aux écoles à l'école. Euh, oui, un cours de, de culture et, et langue romanche. Tout à fait, mmh. complètement d'accord. Et je, c'est pas la première fois que j'entends quelqu'un dire, ben bah, en fait nous on n'a jamais appris quelque chose sur le romanche à l'école. Mmh. Euh, et c'est une culture de la Suisse, mais oui, c'est super dommage vraiment. Mmh. Et merci encore pour cette super présentation. Merci aussi pour l'intérêt. Oui. Ensuite, on a peu laitiers, euh, je vois pas. Il y a De Montigny, je vois pas tout à fait. Euh, Est-ce que... Oui. Est que vous m'entendez? Oui. Ah bon? Bon, ça me rassure parce que je ne suis pas très techno. <rire> ah. <rire> Alors, je vous dis quoi? Go. Ça veut dire que la paix soit avec vous? Dans la langue des Gagnants ici, du Québec. Et je suis vraiment euh, presque fascinée par vos convictions et vos qualifications. Oh, je l'entends plus. Vous l'entendez Non. On n'entend plus rien. Euh... Hmm. Oui, elle doit avoir des, des, des problèmes techniques. Hein on essaie peut-être plus tard. Mais on n'entend plus rien. Prenons encore euh, les, les deux questions, une de Catherine Butikofer et une autre de Carlo de Holim. Euh, et après, oui dans le, tout le chat, monde. Oui, oui, dans le chat, euh, il y a-t-il des similarités entre le breton et le romanche vu leur origine rete et celte Probablement, oui, probablement. Il y a aussi des, euh, des similarités entre le romanche et le, le français. Eh ben, la porte, la porta, la participation, la participation. Donc, oui, c'est basé sur le latin, donc on voit euh, sûrement aussi des parallèles euh, avec le breton. Euh, Est-ce que vous comprenez le dialecte tessinois? Oui. Mais c'est facile, euh, c'est difficile quand même. Euh, mais oui, on le comprend. Surtout parce que j'ai grandi dans un village euh, qui est à la frontière avec le Tessin. C'est-à-dire quand on marche de, du village où j'ai grandi sur un col, on peut marcher au Tessin. Donc euh, à l'époque, il y avait beaucoup d'échanges entre ces gens du Tessin et mes arrière-grands-parents. Donc, il y avait euh, aussi des similarités sur le plan linguistique. Euh, oui, on comprend. Mais aussi, euh, s'il parle lentement, si on se concentre extrêmement, euh, etc. Site, voilà, davantage de questions. Il y a Francine Pelletier qui a mis son message dans le chat euh, ah oui. des trois langues autochtones au Québec. Mm -hmm. Et, euh, je pense qu'on va gentiment conclure. Euh... OK, il n'y a pas de questions. Est-ce que je vois ça euh, correctement non, Correctement okay. pour moi aussi. Euh, vous êtes okay. tous invités Sinon, ouais, email. À, à envoyer un, un courriel au consulat montréal.culture avec un k at eda.admin.ch c'est dans le chat mais j'enverrai encore un, un petit courriel avec toutes ces informations à tous les participants, participantes euh, voilà Diana je vous remercie pour cette introduction euh, très instructive euh, une, un bel aperçu de, de, de ce qu'est le roman, peut-être une prochaine fois on fera un cours avec juste du langage et des mots euh, pour euh, disons que Comment on célèbre la, la langue romanche, Emma Romansha. Cette semaine, peut-être que l'année prochaine, on fera une autre initiative avec juste du, du vocabulaire et des expressions qu'on répétera, etc. Mm -hmm. Donc, un grand merci de votre participation. Au nom du Consulat général de Suisse, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi et je me réjouis de vous voir à une prochaine occasion lors d'un film, peut-être avec notre Swiss Film Club ou autre activité culturelle. Un grand merci.